alors. Varl, reste ici. Protège Beta. Protégez Beta. Oh merde. Fais attention. Seconde. Attends, viens. Recule. Non, je veux t'avoir là. Hé, par ici, toi. Comment ça se croit? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, là. Ça va bien. Les flèches arrivent. Vous les voyez de Beta. Wow, 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 wow. Ok. Allez, le deuxième. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Allez, je suis en cours, je suis en cours. Je suis en cours dessus là. Il faut l'éloigner de Beta. C'est bon, il est mort là. C'est bon. Je compte essayer Dofus en live. Non, j'ai déjà essayé Dofus, mais j'ai pas prévu d'en faire en live, non. C'est pas prévu. On respire encore. Merci Gallifrey pour la nouvelle chaise. Sauf ne peut pas s'échapper, mais il a dû reculer. Merci. Plus loin dans le bâtiment. Je vais tenter de le ramener ici. Je vais réparer le noyau et brécher pendant ce temps. Veille sur elle, va. Ok. Compte sur moi. Voilà. Hop. Est-ce que je peux grimper là? Ouais. Bon, je l'ai pourchassé Hephaïstos et le déloger à chaque fois qu'il tente de se cacher. Hop. Il doit absolument se replier sur le noyau. Alors on est parti. Okay. Je me suis connecté à ton focus. Je préfère te dire qu'il y a une énorme consommation d'énergie venant de la salle suivante. Merci de m'avoir prévenu. J'y serai bientôt. On y est là. Voilà. Hephaïstos prépare bien quelque chose, pas de doute. Quel genre de machine est-ce qu'il espère créer? Je sais pas, mais je vais l'en empêcher. Je parie que ces transporteurs de métal me mèneront là où ils se fournissent en matériaux. Je parie que c'est aussi là que se cache Hephaïstos. J'arrive à m'accrocher là-bas. Forcez Hephaïstos à rentrer dans le niveau, suivez les convoyeurs, ok. C'est quand même très Halo Infinite, hein, je trouve. Encore une fois. On dirait que je peux prendre plusieurs routes. J'aime pas beaucoup ça. Ah, il y en a plusieurs. Aloy,
Alors. J'ai réussi à recâbler la plupart des composants dans le noyau, mais le processeur d'énergie est endommagé. Sans en fabriquer un autre, je peux passer comme ça. Wow, le mur invisible. Ouais, par contre, c'est du monde là. Yo. Quelle galère. Vous avez entendu un jeu coloré par Luigi. En fait moi c'est ça qui m'aura déçu sur ce jeu, c'est vraiment la grosse différence qu'il y a entre ce qui a été dévoilé dans les trailers et le jeu finalement. C'est que le jeu ressemble vraiment et très 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 éloigné de ce qu'on voyait. Donc, c'est ça qui me... Alors, comment je repars ? Par contre, ouais, comment je repars ? J'ai pas d'endroit où m'accrocher. La salle est pas finie. Ah bon, je sais pas, j'ai mis le... Ok. Je pensais que la salle était finie vu que j'ai activé le truc. Après les ennemis, c'est cool. Allez là. Ça c'est fait. C'est bon. Je me suis infiltré dans le réseau du nœud et j'ai réussi à mettre fin à l'emprise de Phaistos dessus. Puis ah. On va le pirater maintenant. Ah oui, on l'avait pas vraiment piraté, d'accord. Parfait. Il faisait bien. Merci. Recréer tout ça. Il ferait bien de pas trop y prendre ses aises. Alors. Merde, je vais dans l'eau électrique. Phaistos a recouvert le sol d'électricité. Je dois trouver un moyen de passer. Aloy, notre machine arrive.
J'arrive. J'y travaille. J'ai eu pas mal de machines de mon côté, moi aussi. Je crois qu'Eren a disparu. Aloy, je commence à contourner les défenses. Mais il me faut quelque chose pour que le module de cyclage tienne le coup. Peut-être un ligament dans l'une des carcasses de machines. J'ai fait de la merde. Oui. Ou un pressage lumineux. Tu pourrais le renforcer avec la synergie de conversion. Pour une meilleure connectivité. Je pense qu'on peut y arriver, Aloy. Comment j'accède à ça, moi? Non. Voilà, merci. Je me disais, il y avait une douille. Ok. Est-ce qu'il y aura une autre cité des nations? Une cité des nations, non, mais une nouvelle cité, oui, bien sûr. Bien sûr. Ok. Il devrait y avoir un autre. Alors. On va d'abord aller tenter de pirater le truc. Ça ne va évidemment pas marcher. J'aime pas beaucoup ça. Je vais essayer de te rendre l'accès. Mince. On n'est pas sur les flèches. S'est fait enfermer dans un... Oh, on se calme le bruit là. Je crois qu'elle m'a défoncé mon focus. Le bruit de la DualSense là. Mais comment j'enlève ce truc là? Je peux pas? Ça y est. Ah, ça recommence. Quel enfer. Déjà, j'aimerais me débarrasser de ce truc là. Maintenant, on va s'occuper de toi. Ouais. Putain, c'est pas possible, il y a un autre raptor là-bas. Ah, il me repirate. Bien géré lui. S'il y en a encore deux. Ouh. Allez là. Oh.
La bagarre. Ouais, un peu trop là. Avec ce bruit horrible. Je ne veux pas partir. Du coup, je peux pas scan. Allez là! J'arrive à péter les points faibles pour aller plus vite. C'est bon, il est mort, non? Non, il est pas mort. C'est bon. Allez, il en reste un. Maintenant tu peux le pirater. Bien joué. Ah, t'as fait le plus dur. Eh bah. Dis donc. Pfiou, petite phase de Bayard, petite hein. Petite. Aloy, je viens de détecter un énorme afflux d'énergie dans la chambre de production. Quelque chose d'énorme est en train de se passer. J'arrive. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Préparez-vous à un gigaboss. Détruire le massacre épine. J'ai presque fini de réparer le noyau. Tu veux qu'on te rejoigne? Je peux peut-être... Il est en train de se charger. En vrai, si je gère bien... C'est le même que celui qu'il y avait dehors, non? Je crois. Sauf que... Non, c'en a un encore plus gros. Voilà, si j'arrive à lui enlever ses zones. Regardez déjà la vie que je lui ai enlevée en lui enlevant ses points faibles. On va le gérer. Putain, je me fais. Ouais, j'arrive pas. Lui enlever ce qu'il faut. Allez. Bon, on va l'avoir.
Allez. C'est bon. T'as réussi. Il reste plus qu'un nœud à pirater. Bien. Ah. Fais attention. Je te renvoie Héphaïstos. Phew. Alors, pirater. Montre-toi, Héphaïstos. Alors, est-ce qu'il va venir? Faut que je retourne les voir, c'est par là. Assure-toi qu'il y reste. Je te rejoins. Et on pourra lancer la fusion. Par où on rejoint? C'est grâce à toi, Beta. Je suis contente que tu sois venu. Par là, non? Et à toi, Varl. Je crois. On n'aurait jamais réussi sans ton aide. Je crois que c'est par là. Je crois. Je suis pas sûr. Imagine si tu n'avais pas de ressources ici. Ah bah c'est pour ça qu'on s'est mis en mode histoire. Hein. C'est pour ça qu'on s'est mis en mode histoire, on n'est pas fou. Merci Bichente. 29e mois Bichente, merci beaucoup. Alors. Aloy, le noyau est stable. Quête principale terminée, Gémeaux. Bon, on avance dans les quêtes, on avance. En vrai. Alors on ferait bien de lancer la fusion. Gaïa, établis-nous la liaison. C'est fait. Un plaisir toujours, merci beaucoup. D'accord. Pour accomplir la fusion, il faut extraire le code malveillant des Phaistos. Quatre heures et demie quand même, il va falloir vraiment. Oh! Dis-moi que oui, dis-moi que c'est ça. Par pitié, dis-moi que c'est ça. Dis-moi que c'est ce que je pense. Dis-moi que je peux pirater des oiseaux. Ah! Eh bien, bonjour, bonjour, copie Rodon. Mais eux, va falloir m'expliquer un jour, hein, leur délire. Tu nous as fait perdre pas mal de temps. Elle va se faire capturer. Eric, reprends Beta. Et écrase donc cet insecte dont tu es guère. Chez. Il va mourir comme ça? Cache-toi derrière moi. Est-ce qu'il va mourir? Allez, arrête de faire l'idiot! On s'amuse bien, hein? Et voilà. Adios! Bon, il était pas fou, donc c'est pas grave, mais... Par Gaïa et Héphaïstos pour leur transport. Ah, elle s'est fait baiser là. Tilda. J'ai échoué. Chut. Tout n'est pas perdu.
Tilda, qu'est-ce que tu fous, mon dieu? Arrête-la! Qu'est-ce que je fais? La vois même pas! C'est celle qui était mortelle, je sais plus. Enfin. T'imagines? Non. Beta. Ça va dans des bails de divinité. Ouais, c'est un peu. Parle. Je sais pas. La Beta va te faire la gueule, en plus. Une minute de silence pour Varl. Ah, tu as réveillé. Tu as subi un sacré choc quand Gérard t'a attaqué. À te voir, j'imagine que tu souffres encore beaucoup. Rassure-toi, c'est un endroit sûr ici. Les autres ne peuvent pas nous voir. Tu parles des autres Zénith. Tu dois être Tilda. Je n'étais pas sûre que... Beta t'ait déjà parlé de moi. Où est-elle? Elle est en vie. Et même si elle n'est pas là où elle voudrait être, pour l'instant, elle n'est pas en danger. Il faut qu'on s'organise pour la récupérer. Enfin, une fois que tu seras remise sur pied. Quand tu seras prête... Mais c'est qui, elle? Elle était avec eux au début, Tilda, ou alors c'est une nouvelle? Je me rappelle plus. Là, je vais aller préparer le petit déjeuner. Pause. Petit déjeuner? D'accord. On dirait moi et la bouffe. Petit déj? Alors, où est-ce qu'on est? Dépenser points de compétence. Tout ce qui reste. Quelques pièces de ma collection que j'ai récupérées et stockées ici. De fuck. Avant de quitter la Terre. Tu peux regarder si tu veux. Tu pars déjà? J'ai des problèmes plus importants à gérer. Non, c'est pas ça, pardon. Ah, te voilà. Alors, tu te sens mieux? Comment vous nous avez trouvés, au creuset? Et qu'est-ce que tu as fait aux autres avant que je m'évanouisse? Oh, tu penses qu'au travail? Eh bien, disons pour faire ça. On dirait Elisabeth Sobeck. Très près, Héphaïstos. En sachant que ça finirait par être utile. Votre petit stratagème n'a pas fonctionné. Et quant au mien, c'était une surcharge d'essence. Accompagnée d'une décharge d'énergie. Gérard et Eric ont été temporairement désorientés, grâce à leur bouclier. Mais toi, tu as perdu connaissance pendant que je t'emmenais. Un petit déjeuner te ferait peut-être du bien. J'arrive plus à savoir qui c'est, elle. Bon, je revérifie. C'était ta maison. Celle que tu as recréée pour Beta. Dans le canal que tu as partagé. Quel sens de l'observation? Par ici, je t'en prie. Après tout ce que ton peuple a pu commettre, tu veux que je m'installe tranquillement et qu'on discute ensemble? Ce n'est pas mon peuple. Pas dans le passé et encore moins maintenant. J'aime bien son look. Tu es parti avec par rapport à Pokémon, tu commenceras par écarlate ou violet? Ouf, je sais pas du tout. Déjà, je pense qu'on en fera qu'un des deux. Et après, je ne sais pas lequel des deux on fera encore pour l'instant. Alors pourquoi avoir changé de camp subitement? J'ai du mal avec Gérard pour l'antagoniste. Tout simplement. Bon. Pour ça. Ça me dérange pas. Mon ancien focus. Tu l'as réparé? Mais alors, tu as vu des choses incroyables, oui. Ce que tu as pu accomplir en une vingtaine d'années.
moi, après avoir vécu un millénaire, j'en suis encore loin. Je suis désolée d'avoir été si intrusive. Mais il le fallait. Pour pouvoir tout comprendre. Pour être éclairée. Tu es vraiment... comme Elisabeth. Tu as sa passion, son sens du devoir... son intégrité. J'ai eu tellement honte en voyant tout ça, honte de mes compagnons. Mais maintenant, tout ce que je veux, c'est pouvoir t'aider. Même si ça implique d'arrêter tes amis? Oui, à plus forte raison. Je t'en prie, assieds-toi. Prends donc des œufs au bacon. Assieds-toi. Oh, il y a des fruits et tout. Petit thé, là, tranquille. Voilà. C'est mieux, non? Maintenant, nous devons récupérer Beta et Gaïa à tout prix. Gérard compte utiliser Gaïa. Choisir la version en fonction du légendaire des Pokémon exclusifs. Oui, mais ça, pour l'instant, on sait rien des deux pour l'instant. Et ainsi recréer le monde selon ses instructions, ce qui ne conviendrait qu'aux immortels. Tous les êtres vivants de la planète seront exterminés. Il appelle ça un formatage. Je l'arrêterai avant qu'il y arrive. Elle a fait ça. Nous l'arrêterons. Nous. C'est clairement pas crédible. Une fois qu'il aura disparu, ainsi que les autres. T'arrives à la fin du jeu, j'en sais rien, je connais pas le jeu. Oui, je pense qu'on en est pas loin là. Beta a dû. Je pense qu'on est pas trop loin vu les enjeux. Héberge un exemplaire de la base de données Apollon. C'est un recueil complet de toutes les connaissances humaines. C'est la boire avec le nez. Avec ça et Gaïa, on pourra faire tout ce que voulait Elisabeth. Guérir la biosphère, éduquer les peuples de ce monde, les élever. Créer le monde qu'elle imaginait. Inutile d'aller trop vite. D'après ce que j'ai vu, tes amis sont invincibles. Si tu pouvais arrêter de les appeler mes amis. Et ils ne sont pas invincibles. En fait, l'un de tes amis a trouvé un moyen de les vaincre. Silence. Il a pas perdu de temps. Il a créé une armée assez puissante pour pénétrer dans la précieuse base de Gérard. Regala et ses rebelles. Actuellement, elle prépare son assaut final sur la capitale Ténac. Quand elle aura triomphé, elle aura toute la tribu sous ses ordres. Des centaines de guerriers et de machines pour attaquer la base. Elle a été dupée. Ils vont tous mourir, bien sûr. Mais ça devrait suffire à exposer Gérard et à permettre à Silence de le tuer. Intéressant. Lui, moi, je veux voir Silence. Grâce à la nouvelle arme qu'il a mise au point. Oui, il a trouvé un moyen de contourner nos boucliers. C'est vraiment un homme exceptionnel. Il a tout prévu. Enfin, à part toi et moi. Moi, je me méfie. Hein. Dans le 1, on était alliés à Silence. Maintenant qu'il me dit qu'elle va pas me trahir aussi. Pendant que son armée enfoncera les portes de Gérard, nous nous glisserons par une porte secrète. Je suis la seule à la connaître. Quand Silence et mes amis seront occupés à se battre, nous récupérerons Beta et Gaïa. Je te l'ai dit, je veux t'aider, sincèrement. D'abord, Varl. Maintenant, Hécaro et les Ténèbres. Ton plan condamnerait une tribu tout entière. Il doit y avoir un autre moyen. La situation est désespérée, il faut bien le reconnaître. Mais nous n'avons pas d'autre option, je te l'assure. Rappelle-toi d'Aube Zéro. Du sacrifice d'Elisabeth. Parfois, beaucoup doivent mourir pour qu'un nouveau monde émerge. Si ça semble impossible, réfléchis plus. Attends. Le canal de données. Il existe encore, non? Il faut que tu me l'ouvres. Non, je veux pas finir le jeu aujourd'hui. Je vais parler à Beta. Impossible. Il pourrait nous détecter. Ça vaut le coup d'essayer. Il y a une autre option qui permettrait au Ténac de survivre. Mais on ne peut pas. Si les autres... Si tu veux m'aider, ouvre-le. Yeah.
Oh. On a eu marre. Petit piano et tout là. En train de lui faire une dissociation en réalité virtuelle. La fusion manuelle des Phaistos devrait prendre des heures et des heures de gestion fastidieuse et minutieuse. Si elle leur résiste, ils lancent des simulations pour induire en elle un grand sentiment de désespoir. Beta, est-ce que tu m'entends? Tu en vis? Il me surveille. Je vais pas pouvoir maintenir cette projection très longtemps. Tu aurais dû me tuer. Non. Regarde-moi. Je vais venir te sauver. Je te le promets, d'accord? J'ai juste besoin que tu tiennes un peu plus longtemps et que tu gères la fusion. Elle paraît 10 fois plus petite, celle à gauche. Est-ce que ça ira? Alors que c'est des jumelles. Tant que je sais que tu viens me sauver, je peux tout supporter. Petit crush là. Petit crush d'elle-même. Très bien. J'ai fait ce que tu voulais. Maintenant, je voudrais en savoir plus sur ton plan. Je vais me débarrasser de l'armée de Silence. Il me faut juste l'arme qu'il a conçue pour pénétrer vos boucliers. Et comment tu comptes l'obtenir exactement? En demandant poliment? Sans Regala et ses rebelles, il n'aura pas le choix. On sera son unique option. Son unique option, pourquoi? Qu'est-ce que tu lui as dit? Ça... ça ne regarde que moi et ma sœur. Et sa sœur. On sera la seule option de Silence pour détruire cette base. Je t'expliquerai plus tard. Mais d'abord, je dois m'occuper d'une ou deux choses. Oh. Et quoi, au juste? Offrir le repos à un ami. Et je vais utiliser le piratage que m'a donné Beta aux Gémeaux pour mettre fin à la rébellion de Regala. Depuis les airs. Ah! Attends. Enfin! Puisque tu insistes tellement pour faire les choses à ta façon, je pense à quelque chose qui t'aidera à faire forte impression chez les Ténac. Les anciens titans Horus possèdent encore des batteries électromagnétiques. Cela fait partie de leur arsenal. Alors, utilise la CS Vol. Ah, mais c'était sûr qu'on allait pouvoir. Franchement, j'aurais pas compris qu'on puisse pas. Ils l'ont pas montré dans les trailers, ça c'est bien. Alors va, accomplis ton devoir. Je rejoindrai ta base si tu parviens à convaincre Silence de discuter. Pas si. Quand? Très bien. Je comprends plus, c'est une jumelle, sœur, sœur jumelle, clone. C'est son clone. C'est son clone. Enfin, elles sont toutes les deux. Ce sont toutes les deux des clones d'Elisabeth. Du coup, elle dit que c'est sa sœur, quoi, mais voilà. Nouvelle 4, les ailes des 10. Nice. Donc on a fini une quête encore là. Merci Auréal, salut, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir ce que tu pensais du Stream Deck. Vas-tu le recevoir? J'en ai un depuis des années. Et est-ce que tu veux en faire une vidéo d'un stream deck? Non. J'ai pas prévu de faire de vidéo d'un stream deck. Parce qu'il y a déjà énormément de vidéos tests et compagnie. Putain, je l'ai mal remis par contre. C'est pas grave, je le remettrai bien après. Donc ouais. Continue comme ça, t'es génial. Merci beaucoup. Merci. De quoi 2 ans de retard?
Steam Deck, pas Stream Deck. Merde! Putain, le... Qu'est-ce que j'en pense? Rien du tout. Pour le coup, j'en pense pas grand-chose. Pardon, j'ai vraiment lu Stream Deck, c'est terrible. L'habitude. C'est pour ça que je comprenais pas la question aussi. Pardon. Non, j'en pense pas grand-chose pour le coup. Des quelques retours que j'ai vus de gens, ça a pas l'air fou. C'est mastoc et tout, c'est pas ultra agréable en main de ce que j'ai cru comprendre. Mais moi personnellement ça m'intéresse pas, j'en aurais pas l'utilité. Après, il y a peut-être des gens pour qui ce sera utile, mais... Pourquoi je peux pas utiliser? Écoutez-moi la paix. Ah, je vais pas pouvoir. C'est bon, ça baisse. Allez! Je me TP s'il te plaît. C'est bon, non? Pourquoi je peux pas? C'est bon, je peux. Yep. Pourquoi je peux voyager? Je ne peux pas effectuer des déplacements rapides pour l'instant. Mais... Alors autant c'est beau ici, hein, y a pas de souci. Autant je vais pas y aller à pied. Je vais pas y aller à pied là, il y a 5000 blocs. 5000 mètres. 4000. Pourquoi je peux pas? Alors, là je peux. Pourquoi je ne pouvais pas? Je ne sais pas. C'est juste une petite rando, ouais, voilà, c'est ça. Alors, il va dire au revoir à ses copains. C'est fou, il est déjà 16h10 quoi. En fait, le truc, j'ai l'impression d'avoir pas joué. Il y a tellement de cinématiques, j'ai l'impression de ne pas avoir fait grand chose. On va apprendre à quand même fait 2-3 missions. Je t'ai envoyé des données sur les batteries des Horus que tu peux utiliser contre les forces de Regala. Très bien. Préviens-moi quand tu auras mis la main dessus. Ok. C'est d'accord. Alors. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hey! Je pourrais avoir une minute. Ça va pas mal la quête principale à venir. Ah si, ça se voit pour le coup, je trouve qu'on dirait bien. Pour renverser Caro, les Zéniths ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Affronter tous les rebelles de Regala, c'est ça? Sans oublier les Zéniths. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Se jeter contre leur base? Quelque chose du genre. Hello. I'm back. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allé ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enregistrement sur le focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric... Les Zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, il savait où on était. Et quand Varl a voulu les arrêter, ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux? Bon. Ah oui, elle était avec eux, c'est bien ça. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Voilà, c'est tout. Pour Varl, c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord, on va arrêter Regala. Comment? Au Gémeaux, Beta m'a offert un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre.
On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège Ekaro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Très bien. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Très bien, très bien. Quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Porte une armure comme tout le monde, pas un pyjama. Vous préférez notre chapeau oiseau, là ? Flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zénith ? Oh que oui. Bien. Alors. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. Parler à Zo. Alors. J'ai vraiment rien suivi, je voulais pas être spoil. Dans Legend Link, t'as fait quoi? Tout le jeu là, quasi. Je suis à la dernière mission ou l'avant-dernière mission, truc du genre. Donc, ce serait compliqué de tout résumer maintenant, mais on est très très bien avancé là. On est allé vers l'ouest. On a récupéré toutes les entités pour rassembler Gaïa et on se les fait voler par les Zéniths. Par ici, à l'œil. J'ai mal là. Parce que j'ai. On venait souvent ici pour s'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois, on s'asseyait devant le lever du soleil. Alors, quand on est revenu des Gémeaux, je me suis dit qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélopée autant qu'il veut et... Et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur, Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais... Vala a été têtue. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple. Mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupéré ses graines. Dans les sub-goals, la dernière fois, il y avait marqué île au trésor 6 avec Bichard. Mais du coup, on l'a préparé, c'est tombé à l'eau. Non, parce que le sub-goal n'a pas été atteint, donc pour l'instant, on la prépare pas. On la prépare pas pour l'instant. Île au trésor... Objectif Lune, ça a été atteint. La cité, ça a été atteint. Serveur Minecraft, ça a été atteint. Mais pas l'île au trésor. C'était le sub-goal d'après, on s'est arrêté un peu avant. De la mort naît une nouvelle vie. Ça vaut pour la nature. Et également pour moi. Je suis enceinte, Aloy. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça, un jour, j'amènerai notre enfant ici. Incroyable, ça. On s'assiera près des fleurs. Pour le lever du soleil. C'est mignon. Je n'ai jamais pu lui dire. Le remercier. De m'avoir sauvé, bien sûr. Mais aussi... De m'avoir autant soutenu. Il le savait. Elle est des os, les... Arrêtez. Ça suffit. J'aimerais bien avoir un petit ptérodactyle là avant la fin du live. Je promets de m'occuper d'eux.
Plus triste un peu quand même. Bon.